Ouh là là, que ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien de se poser. Allez hop. Salut à tous les gars, c'est Darks. Et donc, on se retrouve hein, pour la suite, pour continuer et enfin terminer. Enfin, terminer. Peut-être pas pendant cette vidéo, peut-être pas terminer durant cette vidéo. Mais bon, on s'était quitté la dernière fois dans un espèce de tunnel un peu bizarre, vraiment louche. Et donc là on se retrouve donc. Alors attendez que je regarde. Ah ouais, d'accord. Là où il y avait tous les androïdes, donc ça m'a ramené un peu en arrière. J'avais quitté précipitamment la précédente partie. Pourquoi? Je vous donne la raison, tout simplement, parce que bon, vous êtes en droit de la connaître. Tout simplement parce que vu que si je fais trop de vidéos longues, en minutes, j'ai un temps d'upload, je leur dirai jamais assez, j'ai un temps d'upload qui est ultra long. Vraiment ultra long, donc là j'évite vraiment d'y passer les 45 minutes en gros. 45 minutes, je pense, c'est pour une vidéo, c'est vraiment correct, c'est vraiment le temps, enfin la durée correcte. Voilà. Donc revenons-en à notre petite alien isolation. Donc objectif, suivre Samuels, donc suivre à la trace, parce que je pense que je sais pas ce qu'il fait. Samuel s'est parti à Sixon Synthetics pour tenter d'accéder à Apollo et lui demander d'annuler le verrou renforcé. Localisez-le sur place et aidez-le. Ok. Donc, apparemment, ce niveau, c'est un niveau vraiment 100% synthétique. Là, notre ennemi principal, on a le choix entre l'alien, enfin le choix. Le jeu nous colle soit l'alien, soit les synthétiques. Rarement les deux en même temps. Là, apparemment, nous avons droit à ces vilains androïdes, tout méchants, tout pas beaux, que j'ai eu beaucoup de mal à éliminer. Comme vous pouvez le voir. Bon, bah, on va continuer, hein, on va pouvoir s'attendre. Alors, putain, j'ai toujours mon reflet, il faudra que je ferme les volets. Alors, ce que je vais faire, bougez pas, hop, je vais aller fermer mon volet, parce que j'ai le volet juste à ma droite, j'ai le volet qui donne sur l'extérieur et j'ai le soleil, donc ça me gêne. Bougez pas, 2 secondes. Que je fasse ça correctement. Correctement. Pour éviter d'être gêné. Ah, bon. Ça devrait passer, ça devrait être bon là. Ah, c'est déjà mieux là, voilà. J'ai déjà. Je suis déjà plus dans l'ambiance alien isolation, malgré le fait que ce soit. Que ce soit le milieu d'après-midi. Voilà. Allez, go. Trêve de blablatage. Alors, je vais augmenter le son aussi. Parce que si j'ai le son trop bas. Oh merde, putain, j'ai carrément changé de chaîne. Quelle andouille, mon dieu, quelle andouille. Hop, voilà, ça c'est bon. Le son, s'il vous plaît. Bon, moi ça enregistre. Voilà. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop la télé, le retour, mais bon, pour moi c'est important d'avoir du son. Voilà. Oh. Ouf. Alors, de la camelote. Objectif droit devant. On va fouiller un peu. Voilà, caméra désactivée. On est déjà un peu moins embêté. Alors là, apparemment, je peux faire des. Est-ce que je peux faire une bombe tuyau? Enfin, je peux toujours pas faire une bombe tuyau. Émetteur de son, j'en ai assez. Ouais, bon. Oh putain, oui, par contre, j'avais pas vu les medikits. Oulala. On va s'en coller deux. Parce que. Voilà. Hop. Oui, je suis un drogué. Je me drogue. Alors, ça, c'est l'histoire ancienne, à mon avis, cette affiche là. Ouais. C'est vraiment de l'histoire ancienne.
que lui là, est inactif ou est-ce qu'il va m'embêter? Va-t-il me causer des soucis lui? Fusil à pompe, est-ce qu'il est rechargé? J'ai plus du tout munitions de fusil à pompe, le revolver. Ouais, c'est bon, je suis blindé. Caméra, si c'est possible. Voilà. Là, on a un passage. Alors, je sais pas vraiment si c'est une grande utilité d'avoir un passage. Je me tue. Oh putain, c'est fou. Ouais, le passage là, honnêtement, entre nous. Pour l'instant, je vais le laisser de côté. On va continuer ici. On s'était quitté dans ce passage d'ailleurs la précédente vidéo. Hein. Oh non. Oh, bah, finalement, on va peut-être prendre le passage. Finalement, on va peut-être essayer ce passage hein, en espérant qu'il ne nous ramènera pas sur nos pas. On va voir. Ça a l'air bon. Voilà, c'était quitté ici, là. C'était quitté dans ce conduit. Voilà, c'est un sac. Okay. Putain, il y a la caméra. Alors là, je pense peut-être le fait de passer dans le faisceau de la caméra peut me trahir. Bien le ouf. Ah. Je sais pas si ça me repère. Ah bah c'est un cul-de-sac, ok, juste pour une plaque. Bon, on va sentir par là. J'ai pas trop le choix après tout, me direz-vous. Je sais pas pourquoi je sens la farce là. Oui, et donc là je suis censé aller où? Oh là là, ça pue les gars, ça pue, ça pue, putain, ça pue. Oh là là, putain. Oh, j'y sens mal, j'ai même pas de sauvegarde, j'ai rien du tout. J'ai pas le droit à l'erreur. Sinon, nos amis vont se réveiller. Oh là là, mon dieu, que c'est stressant! Merde, me souper! Oh là là, mais qui? Oh, mais je fais n'importe quoi là! C'est mieux comme ça. Ouh, putain. Allez, tchou. Ah. Samuels. Ripley, je suis heureux de vous voir en vie. Le périmètre de sécurité d'Apollo a été conçu pour que seuls les synthétiques de Sixon puissent interagir avec lui. Écoutez-moi, okay. Je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales si je souhaite me connecter à Apollo.
C'est-à-dire? C'est tout? Putain, je peux toujours pas faire de trucs. Mais... Des mesures radicales. J'aime pas trop ce mot là, des mesures radicales. Que veut-il dire par là? Qu'est-ce qu'il fout? J'aime pas cette fumée là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de trafiquer quelque chose. Il va m'en faire une, il va m'en faire une. Rétablir le courant. Je vais utiliser la chambre de reformatage, c'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone pour pouvoir tenter ma chance. Qu'est-ce que tu veux faire là? Il va remettre en route les machines. Donc il va remettre du courant dans la pièce. Je sens que j'en chie, je sens. Quelque chose me dit que je vais en baver là dans ce passage-ci. Là. Je sais pas pourquoi, mais ça sent mauvais. Ah, sauvegarde. Ça c'est good. Ça c'est good for me. Allez vite. Hop. Sauvegardons les amis. Hop là. Voilà qui est fait. Ah, il y a du courant, est-ce que... Oh putain, ça se trouve, je peux même pas mettre les pieds. Non, non. Tant pis, je prends le risque. Ouais. Oui, c'est bon. Samuel, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Je vous souhaite bonne chance. Samuel, non! Qu'est-ce que tu vas foutre? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, là, c'est un scanner. Oh, il va griller, là. Là, il va se griller, là. Hein. Honnêtement, ça va pas faire bon ménage, le scanner et le robot. Avertissement, initialisation de la connexion à Apollo. Apollo, l'infection a été purgée. La créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Alerte, connexion de l'autorité. Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Samuel ? Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non! Amanda! Vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement! Je vous en prie! Samuel! Ah, ils sont où tes petits systèmes là? Attendez! Vous devez le faire dans le bon ordre! Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi! J'essaie d'accéder au schéma de Sixon! Débranchez le câble rouge en premier! Ok! Rouge en premier! Il est où ce câble rouge de merde? Câble rouge, ah putain, c'est là-dessus. Je comprends pas ce qu'il faut faire là. Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un android désactivé pas très loin à côté. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh putain, je suis mort. J'ai rien compris quoi. Rien compris à ce qu'il m'a dit quoi. Putain. L'autre il fait des conneries, puis c'est à moi après d'assumer là. Vas-y. Le câble rouge. C'est ces câbles là qui veut parler? Sûrement. J'aurai des câbles ici au sol. Nous allons voir. Samuel, c'est câble trop rouge. Dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Je souhaitais pas bonne chance. Je veux passer Samuel, quoi? Le câble... Ah ok, là c'est au sol là, les câbles. Ok, c'est sûrement celui-là qu'il faut enlever en premier. Putain, il va falloir revivre éternellement ça. Ça va me tuer quoi, ça va me fatiguer. Câble rouge...
de collision à Apollo. Apollo, l'infection a été purgée. La créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Alors, ça, c'est demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Alerte. Connexion non autorisée. Ok. Ok. Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Samuel. Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non. Amanda, vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Ok. Samuel, je vais essayer. Je suis prêt. Attendez. Vous devez le faire dans le bon ordre. Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. J'essaie d'accéder au schéma de Simpson. Débranchez le câble rouge en premier. Ok. Rouge en premier. Oh, il va là. J'y suis. Allez hop. Hop. Voilà, le rouge. Ensuite, cherchez un câble bleu. Vous le voyez? Je le vois. Il est là. Vite, vite, vite. Je l'ai. Bleu déconnecté. Après? Je commence à avoir du mal à accéder au schéma. Apollo ne facilite pas la tâche. Il faut le suivant, Samuel. Allez, allez. Bouge. Qu'est-ce qui se passe dehors, Ripley? Les lumières d'urgence se sont allumées. J'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Oh là 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 là. Un chariot à côté. Ouais, je crois que c'est là. Ah, c'est celui-là, on va voir. On va voir si c'est celui-là. Je sais pas du tout. Tant pis, on verra bien. Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un androïde désactivé pas très loin à côté. Sol ouvert, ok. Android désactivé à côté. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Allez. Hop, on y va. C'est stress. Je l'ai, Samuel. Plus que le TRT maintenant, s'il te plaît. Putain les gars, voilà les... Samuels, vous êtes en train de mourir. Vous parlez comme si j'avais vraiment vécu. Je vous en remercie. Samuels. Le transit d'Apollo est ouvert. Une fois que vous serez dans le noyau, il vous parlera. Vous avez fait ça pour moi? Je voulais qu'Amanda Ripley puisse tourner la page. Bon voilà, Samuels, c'est fini, hein. Game over, hein. Blackout. Il a mouru. Il est mort. Ricardo. Ok. Si t'es là, réponds. Je suis là, pardon. Samuel, c'est mort. Merde. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. Utiliser le transit privé. Ah, ok, donc là on a terminé un niveau, ça va m'arranger. Je vais sauvegarder la partie. Et puis, ouais, on va couper la vidéo là. Comme ça, ça me fera une transition parfaite pour la prochaine vidéo. Pour le nom de la vidéo. Parce que là, c'est toujours la solution synthétique, le nom du chapitre dans lequel on se trouve. Chapitre 12, je vous rappelle, les amis. Au cas où vous poseriez la question. Alors, notre. Alors je vais peut-être faire le tour en fait.
Ah, c'est là, ok. Ok, on a rendu à combien là? 20 minutes, c'est parfait. Cette vidéo de 20 minutes, c'est... Oh putain. Oh putain. C'est chaud. C'est chaud, j'ai de la tension là. C'est tendu du slip là. Salut. Y a pas de danger, t'inquiète pas. Tu m'embêtes pas, il n'y aura aucun danger entre nous. En revanche, tu me cherches des noises. Ça va mal se terminer là. On va pas être poteau là, je te le dis moi. Quelle est la bonne direction? Bon bah c'est dans... Merde, j'ai plus de pile, est-ce que j'en ai encore? Ouais c'est bon. Allez, on continue. Bon, oula. Oula. Oula, tu fais peur toi. Tu me fais penser à quelqu'un avec ta tête. Je dirais pas le nom, mais tu fais penser à quelqu'un, une connaissance. Je sais pas comment il a fait pour se réveiller l'autre. Aucune idée. Emergency. Ouh là là, ouais, allez, j'accepte. Bon rapport dans le processeur d'Android. On a un problème. On a des victimes androïdes et humaines sur la station. On vient de me signaler qu'un androïde a été amené à l'APTC avec une lésion à la tête. Mais il est couvert de sang. Okay. Du sang humain. J'ai alerté les marshals et placé déjà ma secrétaire en lieu sûr. Je me dirige en ce moment même vers le transit. Je vais demander à un lambda de continuer un truc. Un enregistrement. Faut que tu sois capable de tout ça. Vas-y, balance. Toi, c'est Marlon, c'est bien ça? Ouais. Moi, c'est Taylor, chef de secteur chez Wayland Utah. Oh, la grosse artillerie. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? L'esprit clé en dehors de ça. Elle cherche. Moi, je veux plutôt préserver les intérêts de Wayland Utah. Et moi, je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. J'ai vu. Il y a la petite lumière rouge. Il me faut des données. Les coordonnées du planétoïde où vous avez trouvé les parles. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cet organisme. Je peux te donner tout ça. Et aussi un moyen de sortir de la station. Faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable. C'est quoi ce bordel? Fais-moi sortir de là, tout de suite! Fais-moi sortir! Fais-moi sortir! Ok. J'ai entendu. Oui, et? C'est tout? Bon. Eh ben, je crois qu'on va changer de niveau. Là, à mon avis, on va arrêter la vidéo. On va appuyer. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça dit?
embarquer, non. Le transit privé d'Apollo est disponible. Embarquez à destination du cœur d'Apollo. Magnifique. Là, je sauvegarde hein, avant d'y aller. Ouais, on va changer de niveau. Ça va être magnifique, ça va être bon là. J'ai bien avancé. On n'est pas trop bavé. L'objectif, c'est là. C'est trop simple là d'un coup. Ouais, est-ce que c'est là? Alors, attendez, j'ai un doute. On va regarder sur la carte. Ah ouais, c'est bien ça. Transit de sécurité. Mais pourquoi ça m'indique? Non, c'est pas là. Allez, y a un truc que je capte pas là. Ça y est. Transit de sécurité d'Apollo, ok. Et c'est où qu'il faut que j'aille? Oh putain. Ami ou ennemi? Voici, ça a l'air d'être là. Hein. On va lui demander notre chemin. À notre ami là. Apparemment, il a pas les yeux rouges. Donc logiquement. Ouais. Ok. Voilà, c'est pas là. Non, mais c'est pas possible. Vous allez pas me dire que je suis nouveau bloqué ici, quoi. Et je peux pas y croire. On va appeler celui-là. Lui, il est bloqué. Il est... Donc, il est éteint. C'est pas celui-là. Ouais, bah logiquement, c'est lui alors. Hein. Ça devrait être celui-là. Ah ouais, ça doit être ça. Ça ne peut être que cela. On va attendre qu'il arrive. Alors, on va se pousser. Est-ce qu'il arrive déjà? Enfin, il arrive. On va se pousser. Ok, on a des pépins. Si vous jugez notre service de transit défectueux, veuillez remplir un formulaire à votre disposition. Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations. Veuillez reporter immédiatement tout dysfonctionnement dans le transit. Veuillez ne pas laisser vos bagages ou votre équipement sans surveillance. Navette à destination de l'unité centrale Apollo, Tour Saïmed de Sébastopol. Ok, c'est bon. Hop. Ouais, bon, on va changer de niveau. Et ça va être la fin de la vidéo. La solution synthétique est terminée. Bon, on n'aura pas trop chié, hein. On a connu pire. On a connu pire. Hein? On a vraiment connu pire. Oui, succès. Bon, ça enregistre toujours. C'est magnifique. La voix aussi bien que le rec central. C'est tout bon. On va voir ce que nous réserve le prochain chapitre, prochain niveau. Et puis, on se quittera là-dessus. Une petite vidéo de ouais, 20-30 minutes. Je n'arrive pas à voir d'ici. Ouais, autour des 30 minutes. C'est très bien. C'est suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Il y a l'étage juste c'est... au-dessus du noyau d'Apollo. Toute la zone abrite les systèmes de support d'Apollo, avec l'IA dont le noyau est au centre. Apollo a empêché Samuels de lever le verrou à distance, mais Samuels a réussi à faire en sorte qu'Apollo te parle une fois que tu seras dedans. Aux autres voyageurs. Emportez vos déchets avec vous. Oui. Voilà, mon avis maintenant. J'aimerais bien un petit point de sauvegarde. Là, on va en trouver. On va pas en trouver là des points de sauvegarde. Enfin, pas immédiatement. Allez, on va se quitter là-dessus. On y ira une prochaine fois. Bon, prochain niveau. Je ne sais pas du tout le nom du niveau. Je vous mettrai ça de toute façon dans le titre de la prochaine vidéo. Vous le saurez, je ne le sais pas. C'est pas indiqué. Encore qu'on peut regarder.
Prochain objectif, obtenir un accès direct au noyau d'Apollo. Samuel, ça fait en sorte que vous puissiez consulter Apollo, mais l'accès va être obtenu au centre même de son unité centrale. Ok, donc Apollo, c'est notre ennemi, c'est le méchant. Ok, et eh ben on va se faire pause là, puis on va arrêter. Allez les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je pense qu'on est plus trop loin, un ou deux chapitres de la fin du jeu. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous remercie de suivre cette vidéo, ce walkthrough. Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine.